Jamais de là. Oh, salut, comment vas-tu? Tu vas bien? Ouais, pas de problème. Alors, le smartphone. Pour certains d'entre nous, le smartphone est devenu un outil de travail. Mais le souci, quand tu travailles sur un smartphone et que tu passes des heures dessus à faire du montage vidéo, ben, t'as mal aux yeux. Et même au niveau de la position, c'est pas ouf. Et même niveau crédibilité. Et quoi, Tariq, ça va le boulot? Tranquille? Bien les vacances? Ouais, ça va, chef, je travaille sur mon téléphone, hein, je fais le montage dessus. Hein. Ouais, ça va. Du coup, j'ai la solution pour vous montrer comment travailler plus confortablement avec votre smartphone et le transformer en un véritable ordinateur grâce à ce petit adaptateur HDMI et USB. Et je vous montre comment ça fonctionne sur un Android pour changer, pas toujours iPhone. Allez, c'est parti, let's go, baby. Ouais, c'est bon. Alors, voici l'adaptateur type C qui est souvent utilisé sur les ordinateurs portables récents, mais qui peut être utilisé sur smartphone. Donc, tu as l'entrée HDMI, très important. Tu as une entrée port USB-C pour le charger quand tu veux charger ton téléphone en même temps. Deux entrées USB, un port carte SD, micro SD. Tu branches ça à ton smartphone. Alors, le smartphone ici, c'est un Huawei P30. Bon, du coup, je vous montre comment ça fonctionne. Vous aurez besoin d'un écran avec le câble HDMI, un clavier et une souris. Alors, premièrement, tu branches ton écran et tu vas recevoir une notification. Tu cliques sur OK. Et bam, directement, ça, c'est pas un ordinateur, c'est directement ton smartphone. Ils te mettent directement ici le bureau, mais la souris ne fonctionne pas. Mais c'est normal, il faut le brancher au port USB. Ben ouais, frangin, sinon ça va pas. Hein. Ils ont même copié le fond d'écran Windows XP, c'est incroyable. Bien la copie, méchant! Du coup, ici, tu as accès vraiment à toutes tes applications. Et moi, j'utilise CapCut. Et je peux faire mon montage ici. Tac, je sélectionne et je peux travailler sur mon écran tranquille avec la souris et le clavier. Et nous avons un ordinateur. Sauf que c'est un téléphone. C'est incroyable. Et voilà, maintenant tu sais comment transformer ton smartphone en un véritable petit ordinateur et tu peux travailler plus confortablement, tu es plus à l'aise. Tranquille. Au moins les gens ils croient pas que tu es en train de jouer sur ton téléphone. Tu es sur ton PC. Ça va? On se donne rendez-vous pour un prochain concept, une prochaine vidéo. À la rentrée, ça va très bien se passer sur Full TV. Peace, baby, à bientôt, ciao!